Bonjour, mes chers élèves de CM2, cinquième année primaire. Je vous présente votre cahier de vocabulaire de communication. Je vous explique d'abord les objectifs qui sont vraiment clairs de ce cahier pour accompagner chaque élève dans sa maîtrise du français, puis l'aider à communiquer facilement dans cette langue, pour apporter à chaque élève les outils lexicaux nécessaires pour communiquer de façon simple et pratique, pour enrichir son capital lexical en rapport avec 15 différents thèmes, tous liés aux divers domaines de la vie courante et de la communication humaine. Ce sont donc les objectifs de ce cahier de vocabulaire et de communication. Allons-y, on va découvrir l'activité d'aujourd'hui. Je vous présente, mes chers élèves, le thème d'aujourd'hui, c'est le théâtre. On a plusieurs activités à faire aujourd'hui. On va commencer par évaluer mon vocabulaire. Je repère chaque mot et reporte son numéro dans l'illustration. Et je coche tous les mots qui ont un rapport avec le théâtre et j'ajoute à la fin 6 mots à cette liste. Je vous présente ici le théâtre. Voici la réponse de j'évalue mon vocabulaire. Elle est déjà corrigée. Vous pouvez noter, s'il vous plaît, prenez votre crayon et ouvrez la page. Pardon. Ouvrez la page. Voilà, page 12. Et notez avec moi les réponses. Alors voici la scène. C'est ce qu'on appelle la scène. Alors, ce qu'on appelle la scène. La scène. Là où il y a des comédiens. Le comédien. Voici le comédien et la comédienne. Le spectateur. Un spectateur, des spectateurs. Le spectateur, les spectateurs. C'est un ensemble de plus. Il y a plusieurs spectateurs ici. Le balcon. Voici le balcon. Les coulisses. Derrière la scène, il y a les coulisses. Le rideau. Le décor. Voici le décor. Le costume. Et la tranchée de fauteuil. Sans oublier, bien sûr, le projecteur. La lumière. Le projecteur. La rangée de fauteuil. Le costume du comédien, le décor, le rideau, les coulisses, le balcon, le spectateur, le comédien, la comédienne et la scène. Alors, je coche tous les mots qui ont un rapport avec le théâtre. Commence par une pièce. Oui, c'est vrai, une pièce existe dans le domaine du théâtre. Une caméra. Oui, existe pour filmer des scènes de théâtre. Un acte, oui. Une réplique, oui, dans le dialogue. Jouer. Une comédie, un dessin, non, un entr'acte. Alors, une pièce, une caméra, ça existe, la caméra au théâtre. Un acte, une réplique, jouer, une comédie, un dessin et un entr'acte. Un dessin, non. Et ici, j'ajoute ces mots à cette liste. Je choisis par exemple. Les spectateurs. Spectateurs. Ça existe des spectateurs. Les spectateurs. Les personnages aussi. Personnages du théâtre. Personnages qui jouent du rôle. Aussi, dialogue, le dialogue.
Et le dialogue, les répliques et le dialogue. Dialoguer. Aussi, le costume, les accessoires. Ça existe en théâtre aussi, des accessoires. Au balcon. Et jouer aussi, jouer un rôle. On va jouer ici un rôle. Ça existe. Alors, les spectateurs, les personnages, le dialogue, les accessoires, le balcon, jouer un rôle. Vous pouvez noter, s'il vous plaît, ces mots ici, ajouter ces mots à cette liste. D'accord. Alors, jouer, là, on a dit, je vais jouer un rôle. Oui, un rôle. Le rôle. Voilà, le rôle. Alors, on passe à la page. À la page suivante, page 13. J'enrichis mon vocabulaire. J'enrichis mon vocabulaire. Coche le synonyme des mots en grammaire. Le public est venu nombreux à la grande première. Qu'est-ce que sont les acteurs, les critiques ou les spectateurs? Moi, je choisis les spectateurs. Le public veut dire les spectateurs. Les acteurs vont entrer en scène. Est-ce que c'est critique, spectateur, comédien? Moi, je choisis comédien. Les acteurs vont entrer en scène, ça veut dire les comédiens. Le souffleur aide la comédienne à se rappeler de sa réplique. Le souffleur aide la comédienne à se rappeler de sa réplique. Et sa réplique veut dire sa scène, son costume ou son texte. Bien sûr, son texte. Quel rôle joues-tu dans la pièce? Quel rôle joues-tu dans la pièce? Ça veut dire métier, dialogue ou personnage. Moi, je choisis personnage. Alors, le public est venu nombreux à la grande première, ça veut dire spectateur. Les acteurs vont entrer en scène, veut dire comédien. Le souffleur aide la comédienne à se rappeler de sa réplique, veut dire son texte. Quel rôle joues-tu dans la pièce? Ça veut dire personnage. Quel rôle joues-tu dans la pièce? Ça veut dire personnage. On passe maintenant au deuxième exercice. Trouve un mot de la même famille que le mot proposé. Trouve un mot de la même famille que le mot proposé. Alors, comédie. On choisit ici comédien. Comédien. Jouer, jeu. Spectacle, spectaculaire, spectateur, spectateur, acte, acteur, costumier, costume. Souffleur, soufflet. Maintenant, saluer. Et salutations. Dialoguer, dialogue. Alors,
coche le sens du mot souligne. J'aime avoir une place au balcon pour pouvoir voir la scène. Donc, j'aime avoir une place au balcon pour pouvoir voir la scène en haut. Est-ce que c'est plate? Forme attachée à la façade d'un immeuble à laquelle on accède par une porte-fenêtre, galerie d'une salle de spectacle. Alors, le balcon. Normalement, le balcon, c'est une sorte de plateforme attachée à la façade d'un immeuble à laquelle on accède par une porte-fenêtre. Oui, mais c'est un balcon, on veut dire galerie. Ici, galerie d'une salle de spectacle. Je ne t'avais pas reconnu avec ce costume. Je ne t'avais pas reconnu avec ce costume. Ce costume, ça veut dire habit, qui permet de ressembler à quelqu'un d'autre. Une tenue d'homme constituée d'une veste et un pantalon en sorte. Alors, je ne t'avais pas reconnu avec ce costume. Ça veut dire c'est un habit qui permet de ressembler à quelqu'un d'autre. Le jeu des acteurs est formidable. Alors, vous dire activité qui permet de s'amuser ou façon d'interpréter un rôle. Alors, le jeu des acteurs est formidable, c'est-à-dire c'est une façon d'interpréter un rôle. Alors, je répète, j'aime avoir une place au balcon pour pouvoir voir la scène d'en haut. C'est une galerie d'une salle de spectacle. Je ne t'avais pas reconnu avec ce costume. C'est un habit qui permet de ressembler à quelqu'un d'autre. Le jeu des acteurs est formidable. C'est une façon d'interpréter un rôle. Le jeu des acteurs est formidable. C'est une façon d'interpréter un rôle. Je ne t'avais pas reconnu avec ce costume. C'est un habit qui permet de ressembler à quelqu'un d'un autre. J'aime avoir une place au balcon pour pouvoir voir la scène en haut. C'est une galerie d'une salle de spectacle. Voilà, c'est tout pour le moment. Merci bien, à la prochaine vidéo.